Et je m'arrête. Je suis en plein milieu du ring ici. C'est pour vous annoncer que ce soir. Et ce soir, ce sera mon dernier match à la Arena. C'est vraiment dur pour moi. Je vous dis ça. Ça fait 12 ans que je fais de la lutte. Et comme vous voyez, j'ai deux beaux enfants à la maison. La fille, mon gars, s'ennuie de leur papa. Ça paraît pas, mais faire un show de lutte, c'est beaucoup d'organisation. Donc, je suis ici depuis 8h45 le matin. Je vais finir à minuit, 1h. Mon gars, il est à garde de bain. Je suis son beau, je sais pas, c'est ma mère. Puis, j'ai grand-papa et grand-maman. Ils me verront pas avant au moins demain midi facile. Demain, il faudrait que je monte le ring, notre chose de pratique. Donc, je recommence à travailler lundi, donc je ne verrai probablement pas mes enfants avant lundi soir. Donc, pour les pères de famille, les parents ici, c'est facile à comprendre que des fois, dans la vie, quand tu as le temps de la chose que tu aimes le plus au monde, pour rester avec tes enfants, ben, tu décides de tirer la main. Donc pendant toutes ces années, j'ai fait des villes, j'ai commencé à Saint-Denis, j'ai lutté à Montréal. Mais je vous dis qu'ici à Sherbrooke, vous êtes la meilleure fucking foule que le Québec a joué. Vous êtes un vesti malade. J'ai jamais eu aussi plaisir à travailler, à faire des luttes devant vous. Mais ce soir, je dois avouer que ça va être dans des matchs de Michael Knox. Merci pour les soirées, merci pour tout. Je porte tous dans mon cœur. Merci aux gens en arrière, aux lutteurs que je lui déconte. Merci à Chopper d'avoir été mon manager. Merci à Cheyenne de mon manager pendant 4 ans. D'avoir embarqué dans mon trip, des fois un petit peu pour vous, mais c'est à mon trip pareil, c'est ma passion, c'est ce que j'aime le plus. Mais malheureusement, ce soir, ce sera la dernière fois que vous allez voir ma convenance en action. Merci beaucoup.